tournée à Lyon avec mon éditrice, et un parti de furieux nous tombe dessus, en criant d'aussi loin qu'il nous voit, « ça suffit ». Alors on écarte les bras en signe d'incompréhension et d'impuissance, on n'avait rien fait, et il voulait simplement nous laisser entendre, et en particulier à mon éditrice, qui n'allait pas pouvoir ôter une décennie supplémentaire avant de prendre connaissance de mes petites tribulations. Alors, c'est la seule fois de ma vie où pareille chose me soit arrivée, j'ai abandonné une femme en proie au danger. Et je ne sais pas trop ce qu'ils se sont racontés, Colette Olive, mon éditrice et les Lyonnais, toujours est-il qu'à peu de temps de là, elle m'a dit que peut-être bien qu'on pourrait adopter une publication quinquennale et non plus décennale. À l'origine, ces notes étaient à usage tout personnel. J'entendais m'en servir pour lutter contre le monstre qu'on appelle l'oubli, qui nous talonne, ou ces insidieuses, ces sournoises manipulations de notre esprit qui accommodent à la sauce présente les choses du passé. J'avais noté à plusieurs reprises qu'une chose était tout autre que je l'imaginais, parce que, à mon propre insu, j'avais effectué toutes sortes de petites manipulations qui portaient atteinte à cette importante chose qui est simplement la réalité. Nous pouvons passer à côté de la réalité, nous méprendre sur ce qui se passe, nous arrive, nous concerne, nous affecte. Donc, dans un premier temps, c'était une sorte de viatique à usage personnel. Un jour où j'étais à court de papier, alors qu'on m'en demandait, j'ai donné quelques pages, et puis de fil en aiguille, mon éditeur a dit, on va mettre ça sous la presse. Alors, naïvement, je lui ai dit, je vous fais confiance, vous allez tailler dans le vif, faire sauter tout ce qui est répétition, et ramener tout ça à des proportions, je cherche le mot humaine. Et il m'appelle, c'était sorti des presses, je regarde de loin le volume qui me semblait faire 250, 300 pages. Et ça n'est que lorsque j'ai mis la main dessus que j'ai découvert qu'il était imprimé sur papier bible et qu'à la vérité, c'est l'intégrale des sornettes que j'avais pu confier à mes calepins secrets qui se trouvaient publiées. Voilà. Alors, là encore, j'ai poussé des cris d'orfraie et mon éditeur, qui est un garçon plein de discernement, que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés prématurément, Gérard Bobillet a dit « mais même les répétitions ne sont pas dépourvues de sens, de signification ». Et peut-être bien qu'il est vrai que toute vie, la vôtre, la mienne, roule sur le retour régulier d'un certain nombre de faits sur lesquels se détachent ici ou là tel événement un peu insolite, incongru, en bien ou en mal, qui tire son relief de ce que justement il s'oppose aux routines, à la monotonie de nos jours. Le terme de journal, du fait de l'usage que l'on a fait depuis du reste assez longtemps, comporte une idée, une connotation, comme disent les doctes, d'intimité, auquel je pense que ce que je consigne, à laquelle je pense que ce que je consigne est un peu étranger. Il n'y a pas d'état d'âme, les fins, ce qui se passe. Je fais un peu le professeur, ça me rajeunira. Il y a une jolie formule d'un philosophe, d'un logicien autrichien qui s'appelait Wittgenstein, le monde, c'est ce qui arrive. Et sous ce rapport, je pense que je serais plutôt Wittgensteinien. Il avait lui-même écrit des cahiers ou des carnets, cahier brun, cahier bleu. Ce serait un peu de ce côté-là que je pencherais. Ce que je pense n'a pas tellement d'importance. En revanche, infinité de choses se produisent dont je suis le témoin ou le protagoniste. Et l'utilité du carnet est de permettre à celui que je serai demain, c'est-à-dire on peut rasséréner, de juger plus froidement de ce qui est arrivé au type qui la veille portait son nom. Au nombre des choses qui peuvent troubler nos jugements, le fait que nous sommes le siège d'affects puissants, l'espérance, le tremblement, la crainte, le chagrin, la tristesse, ils font partie de l'expérience humaine. Ils s'interposent comme autant d'écrans déformants devant le fait lui-même. Et comme, et je l'ai dit, je crois, j'accorde une certaine importance au fait de mordre sur la réalité, eh bien, à l'occasion, je reconsidère un peu à froid ce qui s'est passé la veille et j'en prends bonne note pour l'instruction, l'édification de celui que je serai demain.